Mistral, bienvenue aussi sur Piment TV. On est dans cette émission qui s'appelle Parole d'artistes avec des artistes généralement de l'océan Indien. Aujourd'hui, on est à La Réunion. On reste à La Réunion parce qu'on est des artistes qui nous viennent de l'est de l'île de La Réunion, des Malbas, quoi, parce qu'il paraît dans l'est de l'île de La Réunion, il n'y a rien que ça, même des mondes comme moi, quoi, le monde comme Banna, Malbas, nous aimons ça, Malbas ici. Hein. Et nous avons Valère avec nous, puis nous avons François. Donc, comment est-ce, François? Valère. Bien, bonjour tout le monde. Du groupe Radia Sega. Voilà, c'est ça. Ah, c'est gars, hein, comme Malbar. Hein. C'est pas plus loin, c'est qu'on dit Malbar. Ouais. À moins qu'un monde traite comme Malbar. Mais le content. Mais content parce que c'est mon nature. Ben voilà, c'est notre nation aussi. Ben oui, exactement. On dit un monde des oreilles ici, peut-être des fois, un pays peut prendre ça un peu à travers. Mais bon, si il y a un oreille, il y a un oreille. Ouais, hein. Voilà, ça ben oui. C'est un métropolitain, hein. Nous, notre langage comme ça. Hein. Voilà, en tout cas, ça c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, si vous êtes là aujourd'hui dans cette émission Parole d'artiste, c'est pour parler un peu de ça. Hein. Il y a aussi la sortie de l'album, la pas longtemps sortie. Oui, hein. Il est sorti là le novembre 2016. Voilà, mais nous aurons encore l'occasion un instant de revenir sur cet album-là. Mais il y a un bout de temps, on ne l'a pas venu ici. Il y a un bout de temps, c'est pas du bon. Ouais, c'est vrai. Hein. Là, c'est pas fait pour vous. Non, non, pas du tout. Au contraire. Au travail. Le gars n'est pas fâché. Donc, non. Là, nous étions en travailler pour travailler l'album, pour travailler tout ça, les chansons, mettre le projet en place. En fin de compte, il prend beaucoup de temps, donc voilà. Mm-hmm. Et puis avec le travail aussi, donc pas plus, facile de gérer. Deux, c'est pas un métier de faire de la musique c'est plus une passion. Oui, hein, c'est une passion. Hein. Ouais, c'est un métier. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, on a une petite émission chez nous qui tourne un peu de temps en temps, hein, qui s'appelle Passion d'artiste, donc qui parle d'autre chose que la musique. Hein. Ouais. Donc peut-être un jour ou l'autre, ça passe dedans, ouais. Qui sait. Et en tout cas, pour l'album là, c'est combien ça? Ça, c'est le troisième album. Le troisième album. Tiens, beau le flambeau. Tiens, beau le flambeau. Et c'est hier, on dit, ouais, zot bien avec un flambeau. Voilà. Et puis, c'est pas un petit album bon marché, ça. C'est pas un petit album de 6 titres, c'est pas un petit album de 8 titres, c'est un grand album, mais pas qui titre, non? Ouais. 16 titres. La fait bon flambeau, c'est comme ça? Oui, en fin de compte, nous l'a fait 8 inédites, là. Et 4 du premier album. Et 4 du deuxième album. Nous la remettre dessus au cas si les gens l'a pas eu le premier, le deuxième, ben ils n'auront sur le troisième. D'accord. Enfin, quand on nous fait ça de façon, ben comme nous fait pas beaucoup maintenant pour les CD, petite quantité, donc nous préférons remettre. Ouais, CD vendent plus. Ouais. Quand on parle de Radia Sega, bien entendu, nous parle de François Aou. Hein, et puis Valère, hein, voilà. Ils ont des binômes de frères aussi. Des frères, hein, frères. Et c'est une complicité qui existe depuis longtemps, ça, entre eux autres, non? Oui, frère, oui. Toujours chanter. Frère, oui, depuis l'aîné. Hein, mais chanter depuis très très longtemps, ils chantent ensemble. Oui, un moment. Ouais. Ben, depuis assez longtemps. Ça fait pas mal de temps. François, depuis combien de temps à peu près ça a commencé? Ça l'a fait qu'un jour, l'autre, Valère, pardon, hein, l'a fait que vous avez décidé de chanter ensemble comme ça? Ben, comme nous, on avait un petit groupe, la musique avant. On était un petit groupe qui s'appelle La Vanille. Yeah. Avec une bonne frère, cousin, on était ensemble. Donc, on a fait des variétés. Mm-hmm. Et après, à un moment, on a joué, on a fait un peu podium, tout ça. Et après, François a dit, Valère, par contre, là, il faut nous arrêter un petit coup variété. Nous essayons de faire un coup, nous créer un coup, nous donner des morceaux nous-mêmes, nous la mettre à nous à écrire. Ah, hein? Pour essayer de faire quelque chose par nous-mêmes. Ouais. Puis on invente un nom d'un groupe qui s'appelle Radia Sega. Voilà. On a un nous, on demande à moi que ça veut dire Radia Sega. Là, hein? Le Radia, c'est quoi? Mais Radia, en fin de compte, c'est notre nom. Nous, on appelle Piamal Marina Radia. Donc, là, beaucoup de gens, ils connaissent nous Piamal. Et beaucoup aussi connaissent Marina. Mais le Radia, ils ne connaissent pas du tout. Donc nous l'apprenons le Radia, ben nous la mettons dans les gars derrière. Là, ça fait sonner avec. Ah, d'accord. Et ce qui veut dire que vous ne faites pas trop ces gars avant, et maintenant, vous ne faites rien que ces gars, non? Mais ne faites que ces gars même. Vous avez une petite particularité, vous, au départ, il y a quelques années de cela, quand vous avez à moi, là, c'est que ces gars étaient complètement français. Ce n'est pas un ces gars grâce à une volonté, ça? La vie, ouais, la vie, morceau. Deux chansons étaient en français, ouais, c'est ça. Et c'était pourquoi nous l'essayer plus l'été, la musique l'été. En dehors pour faire comprendre ça à des gens qui parlent pas forcément voilà bonnes oreilles viennent ici touristes on va dire touristes dis pas oreilles touristes qui viennent ici si ça t'y comprend bien le de te comprendre bateau le créole, ben ça tu prends retour à zot dessus. Voilà, et mieux espérer que dans cet album là on a aussi des ces gars en français.
Ben, la chance un petit peu. Ouais, la chance un petit peu. Là, maintenant, que le créole. Ouais, que créole, 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 ouais. D'accord, ouais. Ok, alors, hein. Et donc, cet album-là, troisième du nom, hein, hein, Tiens beau le flambeau. Pourquoi Tiens beau le flambeau? Parce qu'il y en a un morceau qui s'appelle dedans Tiens beau le flambeau. Bon, m'a pas vu. Enfin, tiens, numéro 3, Tiens beau le flambeau. Ouais. C'est quoi ces histoires, Tiens beau le flambeau, là? Tiens beau le flambeau, c'est un message qu'il nous fait passer. Hein? Comme, ça, c'est notre qu'il tire. C'est gars, Maloya, c'est notre qu'il tire. Donc, pour dire aux autres qu'oublie pas notre qu'il tire, Tiens beau Ali, pour nos bonnes ancêtres qu'il a laissé pour nous avant, hein? Et aussi pour nos bonnes enfants. Ouais, ouais. Il va aller. Tiens beau le flambeau. Voilà. Hein? Et il n'y a pas qu'il bonne morceau, on est là comme ça que nous ne te connaît pas. Hein? Et Tiens beau nous de ces gars. Pareil. Ça, c'est Valère. Ça, c'est Valère. Voilà. Ah, où c'est Tiens beau le flambeau? Où c'est Tiens beau nous de Sega? Voilà. Tiens beau nous de Sega. Tiens beau nous de Sega. À peu près dans le même thème ou bien complètement différent? Ben, le texte, les... Il parle toujours des ancêtres, de la Réunion et nous de Sega. Nous, là, pas nous Tiens beau. Tiens beau ensemble, mais... De toute façon, il ne faut pas larguer le cigare. Ben oui. Ouais. C'est nous qui le tire. Ben, m'y passe du presque du coq à l'âne en disant qu'on a un troisième album, mais depuis un bout de temps, on n'a pas vu des clips sortir déjà. Ouais, nous n'avons pas fait les clips beaucoup parce que nous-mêmes, nous les. Bon, nous interprètes, nous les autoproducteurs, nous ça, et au niveau financement, il est très difficile. Ouais, ouais, ouais. Comme ouais. Ça, il reste qu'une passion. Ouais, ouais, ouais. On fait des chansons, mais nous l'avons fait deux clips dernièrement. Ouais. Trois clips sur le troisième album. Ouais, ouais, ouais. Valère, ils l'ont bien tourné, mais après, il a eu un stand-by au niveau. Ben, depuis la préparation de l'album, on la laisse comme ça. Ouais, 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 ouais. Hein. De toute façon, des clips, les prévus. Les en prévision là-dessus. Exactement. Ouais. Là, sur cet album-là, il y aura des clips. Là, en préparation, ben. Bientôt, ce sera sur Canal Austral. Mais bien et Supplément TV. Oh, évidemment. Hein. Bon, c'est pas le je t'aime, Valère. Ça, c'est où le clip date un petit peu, là, au moins quoi, 3 ans, 4 ans à peu près. La pointe. Non. Non, la pointe. Au deux moins ans. Deux, trois ans. Hein, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ça, c'est un morceau. C'est grand français. C'est grand français. Hein? Bon, ce que nous mettent tout de suite ce morceau-là, là, Richard Fink a allé l'autre côté là-bas. Puis nous dire, bah, là, écoute un petit coup ce qu'il voit, un Sega, un bon Sega en français. Il n'est pas mauvais, hein. Ah, ben. On écoute ça tout de suite. Mais bon, okay, pas de problème. Allez, il est parti. Richard, il cale ça tout de suite. Je t'aime avec Radia Sega. Et puis Valère qui chante, hein. Il nous retrouve après. Je me suis collé à toi pour voir ces beaux yeux qui m'a ensorcelé. Guidé par mes désirs, ta peau si douce s'abandonnant à moi. Notre amour est né d'un baiser magique et sera éternel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Des yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les deux corps à corps. De l'amour j'en veux encore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Les yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tous les deux corps à corps. De l'amour j'en veux encore. À te connaître et je suis devenu plus fou de toi. Tu es l'étoile de mes nuits, emmène-moi vers ton futur. Et ces instants en or seront pour nous le plus beau des trésors. Les mots que tu murmures à mon oreille me font frissonner. Je me suis collé à toi, c'est dans tes bras que je voudrais m'envoler. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tes yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tous les deux
corps à corps. De l'amour j'en veux encore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Les yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tous les deux corps à corps. De l'amour j'en veux encore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Les yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tous les deux corps à corps. De l'amour j'en veux encore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Les yeux dans les yeux et tes lèvres sur mes lèvres. Et eh bien, nous revoilà après ce morceau de Valère, je t'aime, hein. Le clip t'est fait par qui, ça, dans le temps? Manimal. Dans le temps, là, pas trop longtemps, hein. Par qui? Manimal. Manimal, hein, l'un des meilleurs, ah, ici, oui. Hein, ils n'ont pas choisi, machin, hein. Non, oui. Mais le clip est bien fait, hein, plus la qualité d'image. Voilà. Aussi, il faut dire que Manimal était l'un des premiers producteurs à avoir donné une belle qualité d'image au clip de La Réunion. Ouais. Hein, il a fait partie des premiers, la qualité d'image était très, très bien. Il faisait aussi partie des premiers à tourner avec des appareils photo aussi, ouais. Hein, ouais. Pour que le pixel, pourquoi le piqué, comme il dit, les meilleurs. Après, les malgaches l'arrivaient après avec des qualités aujourd'hui. Il est impressionnant, hein. Donc ça c'était pour la petite histoire, hein. Et François, où l'a eu un petit peu plus de clips, on dirait, ou non, ou pareil, pareil, à peu près pareil. Sauf que maman l'a fait juste un, ouais. Sur la chanson Donne-moi au cœur, ouais. Ouais. Hein? C'est la chanson, ben, on va dire, c'était la chanson qui était phare sur l'album Nut Musique, qui était sorti, ouais, ouais. L'album numéro 2. Et ben, ça, c'est ça l'a fait connaître à nous un peu plus ouais, ouais. Dans La Réunion. Aussi, il a été nominé pour les Voix de l'Océan Indien en 2014. On lui connaît, hein, puisque la pub est passée chez nous. Voilà, hein, c'est nous l'avons fait toute la communication sur ça, voilà. Parce que vous étiez nominé avec Émilie Vara, voilà. Par exemple. Et hein. Pixel aussi. Et Pixel aussi, voilà. Tous les trois. Hein. Voilà. Voilà. Donc, nous fait de la musique, on arrive, on ne connaît pas si ça va fonctionner ou pas. Ouais. Ben, après, quand on voit le travail, les récompenser par une nomination, on fait partie des trois meilleures chansons de l'année. Ben, ça fait plaisir, en fin de compte, il donne le courage de. Et là, on a aussi la vie, ça, d'être nominé les trois meilleures chansons de l'année en 2014. Oui, hein, La boost Radia Sega, la boost un petit peu la vente des CD, peut-être, non? L'a bien boosté dans tous les domaines, l'a bien boosté, l'a été bénéfique. Ouais, c'était des périodes où tu sortais beaucoup aussi en prestation aussi, voilà, ça. Voilà, là, c'est ça. Et en parlant en prestation, est-ce qu'actuellement, tu sortes encore toujours en prestation? Toujours, ben là. Nous, l'été, ce dimanche-là, au Cyclone d'Abrapano. Donc, tu bouges un petit peu. Et tout le temps, deux, autres deux, tout le temps. Oui, toujours. Après, il y a des soirées privées. Ouais, ouais. Donc, ça, c'est le week-end. Mais les prestations en mode de mairie, tu vois, les festivités, les collectivités, tout ça. Là, on m'y pense là un peu en stand-by, là, en ce moment, mais il va revenir. Là, c'est la période après, calme voilà. Aussi. Voilà, hein, donc, la période de... Là, c'est plutôt les boîtes, là, comme dire, on était au Cyclone. D'accord. Là, ouais. Et puis après, quelques fois, des prestations aussi chez des gens avec des mariages, communions, baptême, voilà. Ces autres-là étaient faits toujours. Surtout qu'on les nominait, trois meilleures chansons, ça derrière, coup de téléphone, il gagne, là, hein. Ben, ouais. C'est vraiment, ouais. L'été était boosté, l'été... très très apprécié. Ben, les gens quand ils trouvent Odin Sommeil, ils disent c'est bien, Mais Amir, il m'intéresse moi à Valère quand François la chante ce morceau, elle était nominée, ben disons on a deux fait le morceau ensemble, on descend tout le temps ensemble, hein. Pas un petit pincement de cœur ou un truc comme ça, ou bien sinon on dit ah ben le morceau les François les moi aussi en même temps, c'est notre morceau, c'est notre morceau, c'est notre album, c'est notre délire, la pointe plus fort que l'autre. Et qui a écrit ce morceau-là, François ou bien Valère? Ben, ça, c'est Patrick Nyamdjila. Ah, c'est Patrick Nyamdjila. Mirage. Ouais. Mirage, voilà. Hein, qui l'a écrit. Que nous remercie bien aussi, parce que c'est un gars qui, vraiment, il donne à nous un bon coup de main. C'est comme un frère de la famille, on va dire. Ouais, d'accord. Alors, OK. Alors, bon, ben, cet album, là, actuellement, disponible un petit peu partout. Oui, partout, dans tous les bars, dans tous les points de vente, et puis dans toutes les jams loisirs de La Réunion aussi. Oui, parce qu'on travaille jams loisirs. Voilà. Voilà, ben, ou ton album t'es produit par Tapaz aussi?
À nous, les produits par nous-mêmes. Distribués par ta page. Distribués par ta page. Hein, voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils retrouvent les voilà. Enregistré dans studio, SM Prod. Studio Mirage. D'accord. Okay. Comme avec Célio. Et d'abord, Célio aussi, dans la chanson, l'a écrit là-dessus. Ouais, ouais. Patrick aussi, l'a réécrit des chansons pour nous. Ouais, ouais. Donc, on a un petit peu toutes les couleurs dessus cet album-là. Ouais, ouais, ouais. Donc, mes conseils aux gens, ben. Ouais. Hésite pas. Voilà, allez acheter l'album Radia Sega, tiens, beau le flambeau. Et ils en ont imprimé un bon petit peu. Ils en ont imprimé combien? Il y a 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu as 1000 exemplaires, c'est vraiment un beau paquet. Hein, ah ouais, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Hein, beaucoup. Donc, on a des artistes aujourd'hui qui impriment 100. Ouais. C'est juste pour avoir une carte de visite presque, ouais. Hein, mais c'est pas les albums qui fait vendre, qui vend. Hein, non, l'album il vend. Ben ouais, 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 ouais. Hein. Ok, ben sinon il peut retrouver aller un petit peu partout aussi. Ouais. Et, veux dire, des fois nous on a des gens ils viennent voir ou comme ça donner les autres l'album pour aller vendre un petit peu à droite à gauche comme ça. Oui, on a la famille, on dépose deux trois avec les autres qui arrivent, ouais, deux ils vendent deux par. Non, parce que sur le dernier moi je trouve Timarc dans le marché forain il t'en vend un paquet l'album là, la migade dedans, il dit là pour l'album tout chanté. Fâché qu'un peu ou quoi, hein, dis donc, c'est bon, n'étonne pas moins. Voilà, voilà, on a fait un petit coucou à Timarc. Ok, alors, ben écoute, là où le morceau donne à moins ou de cœur, celle qui était nominée 3 meilleures chansons de l'année 2014, nous a dit à Richard Kaladi un petit coup là-bas, nous écoutons un petit coup. Ok, hein? Pas de problème. Mais bon, tu parles de quoi dans cette chanson là encore? Ben, c'est une déclaration. Déclaration, déclaration l'amour. Et le clip avait été fait par qui ça? Par qui? Par Baïdia. Bah, il dit. Bah, il dit. Ouais, ouais. Bah, comme aujourd'hui, Dominique Gagne, puis trop travaillé. Donc, nous aurions fait un autre avec lui, mais là, il a beaucoup pris. Par contre, il est très, très satisfait du clip que il a fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Faut dire que les producteurs de clips à La Réunion, actuellement, les bousculaient. Les bousculaient, hein, ouais. Vu le nombre de clips que nous reçoivent tous les semaines. Ouais. Hein, et ben, c'est vrai que la musique, actuellement, à La Réunion, il marche bien. Et nous, ces gars, ils marchent bien. Contrairement à des mauvaises langues, ils viennent dire, moi, comme ça, que ces gars, ça descend. Là, mais vu pas si de nous. Hein, ils vont dire, moi, il va reconnaître les autres, hein. Et notre Ségal n'est pas en pétition. Non, non, non. Justement, on va faire de sorte qu'il ne descende pas. Il va rester toujours en l'air. Au contraire, il faut faire monter un petit peu plus. Comment on dit ça? Tu es bon, notre Ségal? Tu es bon, notre Ségal. Tu es bon, notre flambeau. Et tu es bon, le flambeau. Voilà. Voilà. Et donne un mot de cœur. Nous mettons ça tout de suite. Ok. Les bon, alors, Richard, une calza, nous mettons ça pour nous revient tout de suite. Allez, donne un mot de cœur. Pas trouvé, qui ça il est, à ou même moitié. Ça qui m'était attendu depuis toutes ces années, j'espère que vous en a le même pensé. Quand il m'a décidé de m'en a ou me gâter, si demain avec moi vous voulez aller. Ça dit moi l'a décidé de m'en a ou me l'aimer, si demain vous pouvez être mon moitié. Donne-moi une main, mon café, nous valer. Mais si vous voulez bien, accompagner nous le lendemain. Donne-moi une route qui n'a pas besoin pour la paix. Et si vous voulez bien, aller sur le même chemin. Donne-moi une main, mon café, nous valer. Mais si vous voulez bien, accompagner nous le lendemain. Donne-moi une route qui n'a pas besoin pour la paix. Si on veut bien aller sur le même chemin, dans la même quête. Voilà, j'en dis, moi la fille n'est pas trouvée. Qui ça il est, à ou même mon moitié. C'est que m'était attendu depuis toutes ces années. J'espère que vous en a le même pensé. Tant que moi l'a décidé de m'en a ou me gâter. Si demain avec moi vous voulez aller. Tant que moi l'a décidé de m'en a ou me l'aimer. Si demain vous pouvez être mon moitié. Donne-moi une main, mon café, nous parler.
Mais si vous voulez bien avancer notre lendemain, dans la moindre route qui n'a pas besoin pour la paix. Et si vous voulez bien aller sur le même chemin, dans la moindre route même qu'Afrique nous valait. Mais si vous voulez bien avancer notre lendemain, dans la moindre route qui n'a pas besoin pour la paix. Et si vous voulez bien aller sur le même chemin, dans la moindre route qui. Mais si vous voulez bien avancer notre lendemain, dans la moindre route qui n'a pas besoin pour la paix. Et si vous voulez bien aller sur le même chemin, dans la moindre route même qu'Afrique nous valait. Mais si vous voulez bien construire notre lendemain, dans la moindre route qui n'a pas besoin pour la paix. Et si vous voulez bien aller sur le même chemin, dans la moindre route même qu'Afrique nous valait. Mais si vous voulez bien construire notre lendemain. Eh bien, nous revoilà. Donne à moi ou de care. Hein? Donne à moi ou de care? C'est ça, ouais. Donne à moi ou de care. Hein? Et ce morceau-là, tu fais partie du deuxième album, ça? Deuxième album. Juste entre oui. nous, là, ben, écoute pas, là. Hein? Combien d'albums qu'on soit vendu là, dans ce, avec ce morceau-là? 2000. Ah, ah, t'es obligé de réimprimer, quoi. Ben oui, t'es obligé de réimprimer. Ouais. Hein? Ouais. Pour vendre 2000 albums, quand même. Et... les beaucoup et ouais, les énormes ouais, au jour d'aujourd'hui. Ouais, énormes. Et puis après, c'est les prestations que les parties avec. Ouais. Hein? Les prestations que ça avec, ils boostent à haut. Voilà. Quand un morceau, il marche comme ça, là, on dirait, tout le temps, il dit ça, c'est comme un chercheur dehors, là, il cherche sa pipite. Après, à un moment donné, il trouve. Quand il trouve, là, hein, c'est là qu'il devient riche. Les autres, avec un morceau, ne parlent pas de richesse et d'argent, là, hein, nous parlent de joie, de, voilà, ouais, voilà. De contentement, exactement. De satisfaction, et tout ça avec un morceau comme ça. Hein. Les autres, là, encore toujours à la recherche de ce morceau-là. Toujours, toujours. Comme ça. Toujours. Hein? Ben, en fin de compte, c'est les chansons comme ça. En fin de compte, on ne connaît pas, ou fait, ou mettre dessus. Ou à vous les bons, mais après c'est le public qui chante et qui juge. Et de mon dit comme ça que n'a rien que fait Claude François, t'es fait que des tubes un après l'autre. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il est très rare d'avoir un chanteur qui fait un morceau qui marche et de refaire un autre tout de suite. Ouais. Après, il faut du temps. Ah, bien, oui, il faut déjà les gens les fatiguer d'écouter un peu l'autre avant. Mm-hmm. Après. Ouais. On va faire un autre, peut-être il va retrouver l'autre les meilleurs. C'est vrai que toutes les artistes là sortent un bon morceau, là fait un canon au jour d'aujourd'hui. Et ben ce morceau-là il marche. Et après les autres, m'y pense à quelqu'un que m'y aime beaucoup, hein, qui s'appelle Tiana, une chanteuse malgache qui a sorti son morceau et laisse ça moi là. Oui, ce morceau-là n'a plus de 20 ans, 25 ans, il est toujours d'actualité. C'est le morceau qui a marché jusqu'à aujourd'hui, 25 ans plus tard, le morceau marche là. Ouais. Mais des morceaux comme ça, des artistes comme ça. Qui fait des morceaux qui durent pendant longtemps, un paquet. Hein, oui. Il suppose que quand ça va dans une soirée, eh ben, donne-moi le cœur, on ne peut pas ne pas chanter ce morceau-là. L'impossible. Hein. L'impossible. C'est quel morceau qui actuellement nous demande le plus? Je t'aime, je t'aime. Oui, bien, je t'aime. Hein. L'héritage aussi. Ouais. Hein. Il y a un clip aussi sur l'héritage. Oui, effectivement. On a trois clips actuellement là, qui tournent chez nous, me crois. Sur l'album, deuxième album. Voilà. D'accord. Alors, dans okay, la musique, il y a trois clips. D'accord. Et sur le premier album, là, avec quatre clips. Quatre clips. Ouais. D'accord. Alors. Et ben, pour les prestations, comment il fait pour jouer les autres? Ben, c'est le 06 92 ouais. 69 88 53. D'accord. Et sinon, les pages Facebook, Radia Sega, Valéa Permal. Valéa Permal. D'accord, alors, ok, ben Richard a écrit tout ça, t'es là. Hein, nous laisse ça là, et puis après, ben écoute, nous retrouve une autre fois hein, pour un quatrième album, peut-être. Ben, peut-être. Ou peut-être pour peut-être la fin de la semaine, à la sortie des autres voilà, clips. Voilà. Hein, d'un prochain clip. Qui a décidé de faire le premier le clip en avance C'est moi, ben, Valéa, là, et ça va préparer. Ouais, mais juste, hein, bon, Richard a dit, on l'a fini, mais quand même, les autres deux toujours chanté ensemble dans le groupe Radia Sega. Ouais. Chacun a déjà fait son morceau, chaque côté. Mais est-ce que les autres deux déjà pensé d'un jour ou l'autre de faire un Mais là, pour qu'on trouve le morceau qu'il faut. D'accord. Donc, le moment que va trouver le morceau qu'il faut, m'y pense, c'est le temps qui fait les choses. Ouais. Donc, le temps, le jour, va trouver le morceau qu'il faut, m'y pense que nous va faire. D'accord. Alors, ok. Ou regarde Ali Grosi, si ça fait un featuring avec quelqu'un d'autre. Non. Pas du tout. Comme il dit, la musique, c'est la passion. Voilà. Il y a douci les mœurs.
Donc, il ne faut pas une bataille pour la musique. Faut pas être, non. Il ne faut pas être comme ça. Voilà. Ok, alors, François, Valère, merci bien. Ben, hein? Merci à Jean-Claude, Canal merci Austral. Merci à Canal Austral. Piment TV. Ouais. Ben, merci à Mirage et Cédio. Ouais. Et ben, toute mon petite famille aussi. D'être soutien à nous, comme ça. Et aussi à toutes les fans, toutes les personnes qui achètent nos CD, qui écoutent à nous. D'accord. Qui appellent à nous, viens, chante dans notre soirée. D'accord, ok. Alors, toujours à Sainte-Suzanne même? Toujours à Sainte-Suzanne. Mais bon, alors, Sainte-Suzanne, là, on l'est alors. Okay. Ben, nous aussi, nous retrouvons la semaine prochaine dans une prochaine émission Parole d'artiste sur Canal Austral, la chaîne 23 de Canal Satellite, sur Zéop, la chaîne numéro 6 de Zéop, et puis après sur SFR 114, avec SFR aussi qui est diffusé en métropole. Donc, toutes les abonnées de SFR en métropole peuvent voir Piment TV avec la cuisine, la musique, les voyages, enfin, tout ça sur nos chaînes Canal Austral et Piment TV. Allez, nous retrouvons la semaine prochaine. We'll be right back.